Hello! Hello les gars, j'espère que vous allez bien et on se retrouve enfin après presque un mois pour une toute nouvelle vidéo. Première fois que je vous montre ma nouvelle coiffure sur YouTube, je ne vous l'ai pas encore montré vu que j'ai pas sorti de vidéo depuis décembre. Là évidemment ça ressemble à rien. Aujourd'hui vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va vivre 24 heures en 24 minutes. J'ai vu cette vidéo sur une chaîne américaine, je pense que c'était il y a 2 ans. J'ai jamais vu aucun youtubeur, aucune youtubeuse française la faire, donc je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Ça va être extrêmement compliqué étant donné que je suis la personne la plus lente au monde. Généralement je passe 24 minutes le matin dans ma salle de bain, donc là essayer de faire 24 heures en 24 minutes ça va être impossible. Avant je critiquais les personnes qui avaient Sony Angel sur leur téléphone et en fait je trouve ça trop mignon. Regardez son petit cul. Pour le bien de la vidéo, on va établir quelques petites règles. Premièrement, il n'est pas 8h du matin, évidemment, il est 14h. Parce que si vraiment je dois manger mon petit-déj, mon dîner et mon souper, hors de question que je m'enfile une autre côte à 8h du matin. Ensuite, justement, en parlant d'activité et de repas, on va partir du principe que cette journée est une journée de week-end. Parce que je ne vais pas aller à l'université en 24 minutes, c'est impossible. Je ne vais pas aller dehors faire une promenade en ville alors que je n'ai que 24 minutes devant moi, impossible. Du coup, j'ai ma petite liste devant moi, on va avoir 24 minutes pour prendre une douche, se brosser les dents, se maquiller, s'habiller, déjeuner, faire semblant d'étudier, extrêmement important, faire du sport. Ça fait vraiment 6 mois que j'ai pas fait de sport, je sais pas pourquoi je fais genre, ça fait pas du tout partie de mes activités habituelles. Regarder une série, manger mon repas de midi, faire une balade, manger mon goûter, écouter de la musique, lire un livre, manger mon souper, me brosser les dents, faire ma routine du soir, me mettre en pyjama et aller faire dodo. Oh, j'ai envie d'éternuer. Là on est bien réveillé, on a 24 minutes à partir de maintenant pour faire absolument toutes les tâches qui sont sur ma liste. C'est parti. Ah, j'ai mal aux jambes. Pourquoi j'ai été accroupie comme ça aussi longtemps? On est dans ma salle de bain et pour le bien de YouTube, de ma vie privée et d'internet, je ne vais évidemment pas vous vloguer ma petite douche. Je vais en vitesse prendre ma douche, m'habiller et après on se retrouve. Je sais pas comment je vais faire les gars pour prendre ma douche en littéralement 2 minutes, mais let's go. Bon les gars, je suis de retour et il ne me reste plus que 16 minutes 51. C'est pourri un peu, non? Et là du coup, on va passer à la skincare. Ah, il me reste plus que 15 minutes. Je vais essayer de vous parler en même temps. J'ai reçu un commentaire d'une abonnée. Je sais pas si elle est abonnée à ma chaîne. J'espère que t'es abonnée à ma chaîne quand même. J'ai reçu un commentaire il y a quelques jours d'une personne qui aimerait bien que je fasse une vidéo sur comment je me suis installée à Amsterdam. Mais j'ai pas envie que ce soit juste moi qui blablate pendant 15 minutes et qui vous raconte ma vie. Enfin, c'est trop chiant. Donc du coup, j'ouvre les commentaires si vous avez des petites questions sur comment j'ai fait pour étudier ici à Amsterdam, que ce soit sur comment j'ai fait du coup pour être acceptée à l'université ici, pour avoir trouvé un appartement ici, parce que croyez-moi c'est hyper galère. Envoyez-moi toutes vos questions en commentaire et comme ça je pourrai y répondre dans ma prochaine vidéo. S'il n'y a pas de questions, il n'y aura pas de vidéo en fait. Il me reste 13 minutes, vraiment c'est scandaleux. Ça veut dire que là j'ai passé plus de la moitié de la vidéo à juste prendre ma douche et mettre des produits sur mon visage. Hop là, hop là, hop là. Bon les gars, c'est moi qui ai créé la vidéo, donc c'est moi qui vais aussi créer les règles de cette vidéo. Je vais avoir droit à 3 jokers dans cette vidéo. Premier joker, j'ai le droit de mettre pause sur le timer au moins une fois dans la vidéo. Deuxième joker, j'ai le droit de supprimer une tâche que je suis censée faire dans ma journée si je sens que c'est vraiment trop bourbier. Et troisième joker, j'ai droit à 3 minutes supplémentaires à la fin de la vidéo si j'en ai vraiment besoin. Peut-être que j'en aurais pas besoin, mais si j'en ai besoin, j'ai droit à 3 minutes supplémentaires à la fin de la vidéo. J'utilise mon premier joker et je vais mettre pause sur le timer. Et dès que je change de pièce, je remets le timer. Dernière étape dans la salle de bain avant de remettre le timer, on passe au maquillage. Oh là là! Punaise, mais vraiment, je pense que j'ai raté la formation que littéralement tout le monde a eue à 16, 17, 18, 19 ans, je sais pas, où tout le monde a appris à se maquiller. Et dernière de chez dernière étape, je vous l'ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, mais le blush, ça rend tellement gentil. Vous vous rendez compte que je suis normalement censée me démaquiller dans genre 8 minutes? C'est une dinguerie. Ça fait vraiment 5 minutes que mon timer est arrêté, je ne respecte rien dans cette vidéo. Mettez pause à la vidéo, genre là tout de suite vous mettez pause et vous me dites en commentaire si vous pensez que oui ou non je vais réussir à finir cette vidéo dans les 24 minutes
ou si je vais clairement foirer et je suis une grosse merde. J'ai fait 6 tâches sur 19, donc du coup vous l'aurez compris, on va faire appel au joker numéro 2 et on va supprimer une tâche de la liste. Il n'y a même pas d'hésitation, bye bye la petite balade, j'ai littéralement pas le temps de descendre tout en bas de chez moi, aller me taper une balade et revenir. Je pense que d'ici là, le timer sera déjà fini. On va passer à la prochaine étape, aka faire du sport. Vous connaissez et je sais que tout le monde ici pensait que c'était la séance sport que j'allais annuler. Tout le monde au sol, c'est parti, on va faire une petite session pilates. J'ai jamais fait de pilates, j'ai trop envie d'en faire en plus, de m'inscrire. C'est pas le moment, c'est vraiment pas le moment. Je vais faire une session pilates, c'est parti. Et on va mettre de la musique en même temps, comme ça j'aurai fait deux activités en une. Faire du sport et écouter de la musique. Sport fini et il ne me reste plus que 4 minutes 43 devant moi, donc je vais prendre 2 minutes pour tout simplement étudier, ou plutôt faire semblant d'étudier. Quand je vous dis que ça me fout la haine d'avoir repris les cours, ça me fout la haine d'avoir repris les cours. J'ai jamais été aussi aigrie que ce que je ne suis cette semaine. J'ai jamais été autant énervée que ce que je ne suis cette semaine. J'ai jamais été autant à bout que ce que je ne suis cette semaine. Bref, vous avez compris, je suis littéralement au bout de ma vie. Il me reste 2 minutes 27, c'est scandaleux. Je n'ai pas mangé mon midi, pas mangé mon goûter, pas mangé mon souper. Et après, j'ai toute ma routine du soir à faire. Autant vous expliquer tout de suite que tout va sauter. Et on va se concentrer sur le meilleur repas de la journée, et qui est le goûter. Même genre, le meilleur repas de leur journée, c'est le matin. Il faudrait vraiment se poser les bonnes questions. Je suis actuellement en train de manger le meilleur goûter qui peut être inventé sur cette planète Terre. Du skyr, des fruits et du granola. Vraiment ma passion sur Terre. Je pourrais manger ça tous les jours. Je suis un peu le genre de personne qui a des gros soucis mentaux. Je vais manger le même repas en boucle et en boucle pendant des semaines, voire des mois, jusqu'à ce que je sois écœurée. Après, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Et tant que je suis pas passée à autre chose, je vais manger le même goûter en boucle tous les jours, le même pokéball tous les midis, la même soupe au potiron tous les soirs. Et je ne m'arrête pas. Je suis un peu choquée. Il me reste un tout dernier joker. J'ai le droit de me rajouter 3 minutes à la fin de la vidéo. Vous allez très très vite comprendre. Ces 3 minutes vont me servir à me foutre en pyjama, à me brosser les dents, faire ma skincare du soir, me foutre dans mon lit et aller faire dodo. C'est parti. Je suis triste. Bon, oh, je pensais vraiment y arriver quoi. Je vois pas ce qui a fait que j'ai pas réussi en fait, si je peux me permettre. Bon les gars, je suis de retour en pyjama. Je sais pas pourquoi je souris, pourquoi je suis de bonne humeur, alors que vraiment il me reste 1 minute 57 pour me brosser les dents. Je vais me brosser les dents 1000 fois aujourd'hui quand même, pour me brosser les dents et faire ma skincare. Ah, 54 secondes. Non mais ça c'est vraiment du maquillage gâché et du savon gâché pour rien. Là par contre ça me saoule. En même temps, quitte à forcer à faire cette vidéo, meuf, vraiment personne. Il reste 30 secondes, 30 fucking secondes. J'ai super peur. Alors que vraiment si je perds, il se passe rien du tout. J'ai super peur. Bon les gars, c'est littéralement la fin de la vidéo, mais qu'est-ce que c'est que cette tête? C'est catastrophique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vivre 24 heures en 24 minutes. Moi je trouve que ça va. Je m'en suis pas trop bien sortie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à partager si vous avez envie et à me mettre en commentaire toutes les questions que vous avez pour la prochaine vidéo. Je vous fais de super gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour de vrai cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. Bisous! J'allais vraiment m'en aller comme ça, on n'a pas du tout fait le bilan au final des tâches que j'étais censée faire toute la journée. Du coup c'est parti, prendre une douche. C'est fait, se brosser les dents, nickel, se maquiller, parfait, s'habiller, c'est fait, déjeuner, c'est fait, faire semblant d'étudier, yes, faire du sport, oui, 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 j'ai fait du sport, regarder une petite série, alors, pas du tout, mais c'est pas du tout de ma faute, Netflix,
sortez de meilleures séries. Si vous avez des séries à me conseiller, vraiment, let's go, allez-y, bombardez les commentaires. Mangez mon repas de midi. Manger mon goûter, yes. Écouter de la musique, oui. Lire un livre, oui. Manger mon souper. Me brosser les dents, faire ma routine du soir, me mettre en pyjama et me mettre au lit. En vrai, les gars, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ce qui a été vraiment foireux, c'est les 3 repas en 24 minutes. C'est littéralement impossible. Je prends déjà pas 3 repas en 24 heures, donc 3 repas en 24 minutes. Autant vous dire que c'était vraiment mort d'avance. Pourquoi il y a des petits en dessous de ma fenêtre? Avec des mini pistolets à eau, ça me stresse. Bisous.